c'est un groupe de magiciens dirigé par Monsieur Georges Proust qui, en 1993, a eu l'idée d'ouvrir ce musée. Monsieur Proust avait une très belle collection d'objets appartenant au monde de la magie. Quoi de mieux qu'un musée pour la présenter ? Mais il s'agissait aussi de montrer que la magie, la prestidigitation, l'illusionnisme, c'est avant tout un art, avec son patrimoine, son histoire et sa culture. Savez-vous que celui qui a donné ses lettres de noblesse à la magie était un Français du nom de Robert Houdin, grand magicien du XVIIIe siècle ? À côté du musée, il y a aussi un musée des automates. Alors, laissez-vous aller à rêver, bon spectacle et bonne magie.